Ça y est, c'est le dernier contrat à la une de cette série de 12 qui vient de sortir ce mois de février. Ça s'appelle Incognito 47 et ça se passe à Hokkaido. Alors on peut dire qu'on termine en apothéose. On a un contrat avec 5 cibles et si vous regardez bien, en fait, il va falloir utiliser les déguisements en cascade. On va commencer à la morgue en motard. On va éliminer un médecin. Ensuite, avec ce déguisement, on va éliminer le directeur de l'hôpital. On va éliminer ensuite le prof de yoga, puis notre ami Dexter, et enfin un pauvre jardinier qui n'a rien demandé. Donc ça, c'était le programme. La préparation, on va commencer à la morgue, au plus près du costume de motard. Pièce de monnaie, on va se prendre le brouilleur à usage unique, la dernière tenue de la map, pistolet. Alors je regarde, il n'y a pas d'éléments spécifiques. On va se mettre à la morgue. Un poison. Un vomitif. On est parti. So, you're the curator's research aide, right? Let me guess. Allez, c'est parti. Oh, so it is true that the guy had a mood altering neuro. On récupère tout ce qu'on peut, le costume. On va neutraliser les caméras. Attendre un petit peu. On maîtrise la petite dame. On va attirer son attention. Elle, on l'évacue du couloir, c'est dangereux. On les mise là. Petit bug. On va chercher notre homme. Il est neutralisé, on va reprendre notre costume. Et là, on peut le tuer. On pique son costume et maintenant direction sur le directeur. On va aller vacciner son paquet de cacahuètes. Passer par là pour pas qu'il nous remarque. Hein. C'est de gagner un petit peu de temps. Seems pretty easy. This goes to this, that goes to that. There. Hey! Voilà. L'objectif, c'est de voir où on est le custo au bar. What are you sneaking around for?
another subject. Not to switch topics, but I am worried about the Brexit. Guess what? I have some serious time. I found out who our invisible man is. Scotland, but none other than Jason Portman. What? We need to do notre vomitif. Ensuite, on va préparer les toilettes éventuellement où la cible va aller. Notamment celle qui ne nous arrange pas. Il faut se dépêcher parce qu'il va y avoir justement l'homme invisible, Mr. Portman. Qui va se pointer. Ça risque d'être galère après pour pouvoir... place nette, là c'est fait. On va aller mettre note. Hey, get my soufflés out of the oven, please. Thank you. J'ai mes costumes. Faut que je check le directeur un petit peu où il en est. C'est l'homme au chapeau que j'aimerais bien checker également. À un moment donné, il va faire un petit passage dans son appartement. Mange les cacahuètes. Pardon, madame. Voilà notre ami. Quelques soucis. Donc l'homme invisible est encore là. C'est marrant, au niveau des routines, on a dû aller un petit peu plus vite que les premiers essais. Bon, ça va, ça se croise. Bon, ça serait bien que tu dégages par contre. J'ai un peu de taf, moi. Alors attention, il y a des moments où la maîtrise disparaît. C'est pour ça que je me suis fait avoir avec les cibles élusives. Voilà, je change de costume. Petit check, on est bon. Où est notre ami? Sir, how are you? Mr. Jason Portman. Please come to the hospital entrance. A doctor will escort you to your checkup. That was for Mr. Jason Portman. A doctor will escort you to your appointment. Please proceed to the hospital entrance. Sorry, don't mind. Absolument, on chope notre ami. C'est le prochain. Ah, the yoga instructor. How are you? Ben, j'allais le distraire, mais en fait, c'est pas la peine là. Il va dans ses appartements. Alors le timing est très important. Hein. Si vous loupez une routine où que ça se décale, forcément vous allez avoir des temps d'attente beaucoup plus longs que ce que là on a. Là j'ai l'impression que ça se copie plutôt bien. Là on va essayer de rentrer gentiment même si on n'est pas le bienvenu. Hop. Tout va bien. Crac. Désolé mon gros. Allez, maintenant, dernière cible. Good evening.
on va pas passer par là. Faire le grand tour. Oh, everything's to your satisfaction. So are you doing yoga after this? I wish. I have a few lessons. Attendre que tout ce petit monde se positionne. On va préparer un petit piège. Je sais pas si par contre on peut attirer notre ami sans trop de risques. On va laisser peut-être venir. Ça sert à rien de tenter le diable. Hop. S'en fout. Toujours plaisir. Là, par contre, on va attendre que l'autre passe. Pas envie de prendre de risques. Voilà, c'est bien. Huh. I didn't like the sound of that. Reste pas là. Désolé mon pote. Ah, je suis bête. Peut-être passer par là. Donc la dernière cible a été tuée dans un accident. Donc pas de soucis s'ils ont vu le corps. Nous, on se fait la malle. Assassin silencieux.